Eh bien, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur. Tout comme moi, vous êtes sûrement en ce moment en confinement. Le sujet est accessible et possible pour nous tous. C'est Agissons au quotidien. Je vais donc aujourd'hui vous donner quelques conseils pour aider la planète au quotidien. Mais excusez-moi, j'ai du courrier à aller chercher. Là, les clés sont où? Ils sont là. Bien. Voilà une belle transition pour la vidéo. Donc voici le premier point, tout simplement pour vos boîtes aux lettres. Eh ben, pensez à mettre un... Donc tu crois que C'est fait. Donc voici le premier point concernant votre boîte aux lettres. Vous pouvez mettre tout simplement un stop pub sur votre boîte aux lettres. Car il faut savoir que, en France, plus de 18 milliards de papiers sont imprimés juste pour la publicité. Ce qui fait à peu près 36 kilos de papier, donc de papier pub, par foyer. Ce qui est énorme. Donc pensez à mettre ce petit logo, ce qui aidera grandement la planète. Tout cela m'a donné très soif, ce qui nous amène à notre deuxième point. Pour vous rafraîchir, utilisez plutôt une gourde ou un bidon, on appelle ça comme on veut, au lieu de centaines de bouteilles en plastique qui polluent énormément. En plus, une gourde, vous pouvez la customiser. Alors, vas-y, refais. Nous allons donc passer à la troisième astuce, transition qui déchire. Lors de petits trajets, évitez la voiture. Préférez la marche à pied ou le vélo. Cela permettra tout simplement d'éviter d'énormes quantités de CO2 exorbitants. C'est beaucoup mieux pour notre chère mère nature. Et puis, c'est toujours mieux d'être en contact avec la nature. Regardez cette jolie feuille. Senteur nature. Santé aussi. Pour la quatrième astuce, nous allons parler de bouffe. Donc, il faut tout simplement consommer local. Par exemple, votre radis, paf, vous l'achetez à un commerce local et pas dans une grande surface. Car en fait, ces fruits, ces légumes contiennent souvent des pesticides et des OGM. C'est ça? Je pense que vous en doutez, ce n'est pas très bon pour la planète. Donc consommez local. Et en plus, entre nous, c'est toujours mieux un fruit avec du goût, non? Et pour la cinquième astuce, on va aller autre part. Cinquième astuce, quand vous mangez, il y a forcément des déchets. Enfin, le but quand même, c'est de les éviter. Mais quand il y en a, vous pouvez avoir des déchets verts. Ces déchets verts, ne les jetez pas. Enfin si, jetez-les, mais dans un compost. Dans le compost, il y a toute une microfaune qui va dégrader les aliments verts et cela va les transformer en fait en une sorte d'engrais. Et cet engrais-là, vous pourrez l'utiliser dans votre jardin et ça donnera de superbes fruits bio. Bon, les amis, je crois que c'est tout simplement la fin de cette vidéo.